Dis donc, elle a pas la pêche, Calinette. Hein. Mais arrête avec ça, t'es con, tu vas la tuer. Arrête de faire ça, elle va crever, je te dis. Hé, hey, on devrait déjà être en tournage, là. Et vos conneries. Putain, on est fini, là. Mon père m'a donné ce plan social direct. Hein. Enfin, toi, t'en as rien à foutre, hein. De toute façon, tu trouveras toujours du boulot, c'est ça? Mais bougez-vous le cul pour les autres, au moins, je sais pas, moi. Hein? Je te parle même pas de moi. De toute façon, je sais très bien que vous me méprisez, tu m'aimes pas. Hein? Je suis qu'un petit commercial de merde, c'est ça? Mais pense aux petits salaires, là, les petits postes, c'est eux qui trinqueront. Hein? Jacqueline, elle a compta avec son môme handicapé, 45 ans, tu crois qu'elle va trouver du boulot? Elle peut toujours courir. Et Momo, là, qui tous les soirs n'est pas vos merdes, là, votre coco, vos magazines de cul, peut toujours courir aussi. Mais soyez humains, merde! Forcément, ça lui fait tout drôle à lui de réaliser qu'il va bientôt se retrouver à la rue. Je vous en supplie. Jean-François Marolles a été programmé pour une existence sans rue. Il a accepté d'être insulté et humilié pendant 15 ans par ses employeurs et ses clients pour pouvoir emprunter de l'argent à la Société Générale afin d'acquérir un trois pièces à Levallois-Perret. Ça va, et on y va. Hein? Ok. Allez. Allez, c'est bon, lève-toi. Il flippe tellement qu'il finirait presque par en devenir touchant. Bon. La bouse de dernière minute, ok? Absolument. La bouse, Une ravissante femme. Ni trop vieille, ni trop jeune. Ni blonde, ni brune. Châtain. Brune. Exécute des petits pas de danse en tutu. Ah non. Non. En petit haut, Chantal Thomas. Je prends. Elle est sur la terrasse d'une belle maison de bord de mer décorée style... À côté sud. Chaleureuse sans être tape à l'œil. Elle regarde la caméra et s'écrit d'une voix... suave, mais authentique. Je suis belle, n'est-ce pas? Non. Je suis belle, on dit ça. Je suis belle, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je ne me pose pas la question. Je suis moi, tout simplement. Elle saisit un pot de Starlight, qu'elle en trouve délicatement. Ni trop vite, ni trop lentement. Avant d'en déguster une cuillerée. Elle ferme les yeux de plaisir en dégustant le produit. C'est bon, ça. Hein. Mmh. Alors, entre parenthèses, plan de 2 secondes minimum. Minimum, hein. Puis, elle regarde la caméra dans les yeux. Mon secret, c'est... Starlight. Yes! Yes! Excusez-moi. Starlight. Bon, alors là, tu fais la démo produit, là. Exquis fromage blanc sans matière grasse avec du calcium, des vitamines, des protéines pour être bien dans sa tête et dans son corps, y a rien de meilleur. Voilà. Putain, ils vont adorer, hein, sans déconner. Elle reprend. Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un maintenant. Puisque je vous ai tout dit. rire espiègle. Pas trop. Backshot, Starlight, pour rester mince, sauf dans sa tête. C'est génial. Les gars, là, vous m'avez bluffé, hein. La vache. C'est sur ton mail. Hein, hey, Dulaire, il va se faire dessus quand il va voir ça. Tu n'as aucun amour propre. Je te méprise. Dégage. Ils vont être dingues. Fuis. Ah Charlie, on va encore enculer Madone, hein? Quoi? Ouais, bah j'arrive. Connasse. Allez. Va checker tes mails. T'es con, hein? Elle est morte.